Yo les gars et les filles, parce que oui, je sais, en ce moment, vous êtes pas mal de filles à me dire « Mais dis donc, Dojna, tu dis yo les gars, tu dis hello les gars, tu dis bonjour les gars, mais nous les filles, tu nous oublies ?» Alors non, je ne vous oublie pas, c'est juste que c'est par habitude, j'ai tout, mais même mes potes filles, je dis gars, ou alors je dis meuf, mais bref, ne m'en voulez pas s'il vous plaît, du coup, yo les gars et les filles. Petite vidéo un petit peu plus différente de celle que vous avez pu voir d'habitude sur ma chaîne, puisque ça va pas être du gaming, ça va pas être une FAQ, ça va pas être une vidéo où je vous raconte ma vie, ça va être une vidéo un petit peu plus lifestyle, un petit peu plus Jenna Beauty. Et coucou les gars. Mon dieu. Non, je vais éviter de faire Jenna dans cette vidéo, hein, les gars. On va éviter ce drame. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, je vous avoue, et avec qui je vais commencer aussi un petit peu à travailler. Je t'arrête tout de suite. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai choisi de faire cette vidéo tout simplement pour vous parler un petit peu de mon univers, de ce que j'apprécie aussi, et puis aussi parce que demain, c'est les soldes et j'aurai un petit code promo à vous prise, enfin je vous en dis plus après. Bref, comme je vous disais dans l'intro, je vais commencer à travailler un petit peu avec Riels. Enfin, comme vous l'avez vu, j'ai un petit peu commencé déjà à travailler avec eux, tout simplement puisque je suis en photo comme une mannequin sur leur site internet. Voilà, Dojna devient mannequin avec ses 1m57. Vous pouvez croire en vos rêves, on ne sait jamais, ça peut toujours arriver. Bref, du coup, vous avez été quelques-uns à remarquer que sur cette photo, c'était moi, que sur cette photo-là aussi, c'était moi. Et du coup, c'était assez rigolo parce que certains ne s'y attendaient pas. Genre, j'ai reçu des messages en mode, attends, pourquoi est-ce que quand je vais sur Reyes, je vois ta gueule, qu'est-ce qui se passe? Et bref, du coup, voilà. Donc déjà, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez-y, parce que sur Instagram, je vous avais montré que pour la première fois de ma vie, j'ai fait un shooting photo en salon, enfin en studio, pas en salon, en studio, et ça a été une expérience très... Alors... Comment vous expliquer ça? Cette expérience, elle était quand même assez dingue parce que c'était pour moi, c'était la première fois. Et je vous avoue, c'est différent de poser pour un pote dehors en mode genre... Voilà, et de poser en studio avec un photographe et tout qui est vraiment là pour la marque et qui est là pour te mettre sur le site internet et tout, et tu dois faire des poses comme les mannequins et tout, genre en quelques secondes, nouvelle photo, une nouvelle pose et tout, et c'était une très très bonne expérience. D'ailleurs, merci beaucoup à Karl, à Roy et à Jordan qui m'ont énormément soutenu et aidé là-dedans parce que bah voilà, j'étais toute timide, j'étais toute stressée et tout, et c'était... Voilà, c'était fou pour moi. Du coup, merci. Et il y a plein d'autres projets qui sont en cours que je peux pas vous dire maintenant. Mais les gars, vous allez... Oh, mais vous allez tellement bégayer, même moi, je... Oh là là, les gars, mais vous êtes pas prêts. Je vous jure, vous êtes pas prêts, les gars. Il y a des vlogs de dingue qui vont arriver. Je vous en dis pas plus. Oh, j'ai hâte et je vous jure que vous aussi vous allez avoir hâte quand vous savez quand un jour vous allez savoir ce que c'est, je vous jure. Bref, on va pas plus tarder sur la vidéo, je vais vous présenter du coup les articles que moi j'ai en ma possession. Il y en a encore qui sont, bah, que j'ai pas là parce que je les ai lavés, parce que je les porte souvent et qui sont, bah, du coup en train de sécher dans mon salon sur le porte, voilà, enfin sur le porte-vêtements, sur le l'étendoir. Mais bref, du coup j'ai quand même certains vêtements que j'ai pas trop salis et qui sont encore là. Du coup le premier, comme vous voyez sur ma petite tête, c'est un petit bonnet à avec le logo Reyes qui est brodé juste ici. Voilà, c'est un petit bonnet que vous pouvez trouver sur le site. Et pour le coup, vraiment, les gars, il tient chaud, il ne gratte pas. Et ça c'est un bonnet qui ne gratte pas, je vous jure, c'est un bonheur. Le deuxième article que vous pouvez voir directement porté, c'est mon petit sweat. Oh là, peut-être que ça me fait... C'est mon petit sweat, Japan sweat. Du coup, j'ai aussi le Japan shirt, enfin le t-shirt en gros, le même en t-shirt. Là, je ne l'ai pas parce qu'il est à laver avec la même écriture derrière. Bon, je vais essayer de me tourner, mais voilà, je vous mettrai des photos du site, ça sera plus parlant, hein, vous comprendrez mieux, sachant qu'en plus, toutes les photos sur le site de tous les vêtements sont portées et du coup, c'est un peu plus utile. Ensuite, les autres articles, ils sont juste là, je vais vous les montrer. Le deuxième, c'est tout simplement, ça c'est pareil, je l'ai porté, donc il est un peu froissé et tout, parce que bah voilà. C'est le I'm a King, du coup, avec écrit dans le dos. Bon là, c'est à l'envers pour vous, je vais essayer de vous le mettre à l'endroit, enfin comme d'habitude, vous savez, le montage derrière. You're too close, I'm a King, avec mon superbe accent anglais, qui du coup est un petit sweat à capuche, enfin un petit, comment on appelle ça, un sweat zippé, un, voilà, un gilet, un sweat zippé, t'appelles ça
comme tu veux. Personnellement, j'appelle ça un sweat. Pour ma part, celui-ci, je l'ai pris en taille S. Il faut savoir que d'habitude, mes vêtements, moi, je les prends en taille assez large. Celui-ci, c'est un taille S aussi, mais mes autres sweats, c'est du taille M, voire du L. Parce que, comme vous le savez, j'aime bien porter mes vêtements super larges. Mais du coup, celui-ci, ouais, je le mets pour sortir quand il fait un petit peu froid et tout. En dessous d'un... Merde, comment ça... je suis pas du tout youtubeuse beauté, moi. Faut que j'arrête, hein. Enfin, personnellement, je le mets soit comme ça directement, soit en dessous de ma veste en cuir. Et du coup, ça donne un petit style un peu... Enfin, voilà, t'as compris. Le deuxième article, du coup, qui cette fois-ci, je vais aller directement vous dire la taille. Celui-ci, c'est une taille S, ok. Donc, vous voyez, pour une taille S, il est quand même assez large. Je pensais que c'était une taille N, mais non, c'est une taille S. Et du coup, là, on est sur le Paris Tout Japan, avec plein de petites écritures et tout sur le côté. Là, on a un petit flash code. On a des écritures derrière avec le Reyes. Enfin, là, la couleur est quand même assez orange-jaune. Vous savez que moi, de base, je porte des couleurs soit blanches, soit noires, soit... pâle. De base, je suis pas du tout couleur très comme ça, très colorée. Et pour le coup, les gars, vraiment, enfin tous les vêtements que j'ai là, je sais que je les porterai. Et de toute façon, vous le verrez, hein, parce qu'au final, vous verrez bien dans mes streams et dans mes vidéos que je les porte. Et pour le coup, c'est un coup de cœur. Les autres coups de cœur sont là, mais celui-ci, c'est vraiment un coup de cœur aussi, les gars. Et vraiment, je le recommande. Il est tellement doux à l'intérieur. Genre, je peux pas, je suis vraiment nulle pour vous expliquer la qualité et tout. Mais regardez, genre déjà à l'image, vous voyez que c'est de la petite, voilà. Et c'est tellement doux, les gars, je vous jure, t'as envie de dormir avec, tellement que c'est doux, c'est chaud, et pourtant c'est pas trop chaud non plus, genre c'est... Voilà, vous allez croire que je suis vendue et que je suis payée pour vous dire ça, mais pas du tout, enfin c'est juste, c'est un gros kiff, vraiment les gars, c'est un gros kiff. Ensuite, un de mes coups de cœur est vraiment lui, mais je le kiffe, vous avez vu sur mes derniers lives, les gars, que je le porte tout le temps, c'est le Oslo de la nouvelle collection. Du coup, vous l'avez aussi dans d'autres coloris, il me semble qu'il est en noir, et vraiment le jaune, moi c'était un coup de cœur, je l'ai vu en boutique, le jaune, j'ai fait... I want it. Je le veux. I'm sorry, I'm not English, but I want it. Et non, mais vraiment, les gars, genre, il est trop beau. Il est trop, trop beau avec la petite barre avec écrit Reyes là partout, genre dans le dos aussi, c'est la même chose derrière la capuche. Il est vraiment trop beau. Au niveau de l'intérieur, c'est pareil que l'autre, c'est trop doux et c'est tout chaud, c'est tout bien. Vraiment, je kiffe. Celui-ci, par contre, voilà, celui-ci, je l'ai pris en taille M. Comme vous voyez, il est un chouïa plus grand que l'autre, mais en soi, même en S, il aurait été large et tout, donc ça aurait été cool. Mais en M, j'aime vraiment bien parce que du coup, il m'arrive en mi-cuisse et moi, je kiffe ça sur les sweats. Enfin, voilà. J'aime bien porter mes sweats en mode genre, c'est les sweats de mon petit ami, alors que bah non, c'est les miens, quoi. Voilà, voilà. Et ça, les gars. Mais c'est... Je l'aime. Je sais qu'il est grand, parce que voilà, il y avait plus trop de taille. C'est un M, et vraiment, il taille grand. Et je pense qu'en S, il aurait été parfait pour ma taille, mais là, je l'ai pris en M. Et les gars, c'est pour... En vrai... C'est le Lushan, il y en a deux. Lui, c'est le 2.0 et vraiment, c'est mon préféré. Enfin, l'autre, j'aimais vraiment beaucoup, je le voyais sur les photos et tout, je le kiffais. Mais alors lui, je l'ai vu et les gars, vous voyez ici, il y a une poche. Et vraiment, moi qui déteste porter des sacs à main, porter des sacs et tout, je déteste ça. Cette poche-là, c'est bye. Genre, cette poche-là, je l'ai vue, je fais, oh, toi, t'es mon amour. Genre, t'es l'amour de ma vie, je veux me marier avec cette poche, tu vois. Mais vraiment, enfin, c'est chaud et tout. L'intérieur, vous voyez, c'est pas comme à l'extérieur, donc ça ne gratte pas, genre c'est, enfin c'est comment on appelle ça, il y a une doublure, et du coup vraiment ça gratte pas, ça tient chaud, vous pouvez mettre un sweat en dessous, vous pouvez juste mettre un t-shirt en dessous, c'est large, c'est genre trop bien, je kiffe de fou, je kiffe, je l'aime trop, c'est vraiment, enfin je crois que ça c'est l'article que vraiment je kiffe le plus, vraiment. Ensuite, j'ai d'autres articles Reyes que je n'ai pas là, puisque tout simplement, je les ai mis à laver, parce qu'à un moment, il faut bien que tu laves tes vêtements, tu vois, quand tu les portes trop souvent. C'est tout simplement le sweat noir et blanc que vous avez vu aussi sur mon Instagram en photo comme ici ou là, que j'avais fait un concours d'ailleurs. Après, il y a aussi plein de petits articles que je n'ai pas pour le coup, mais vraiment, il y a un pull. J'ai un pote qui l'a, il y a Nico qui l'a, et vraiment, ce pull, je pense me l'acheter en grande taille pour pouvoir le porter en mode robe, et c'est tout simplement le Denver. Vraiment, il est magnifique, là. Il est tout doux et tout, la qualité elle est vraiment trop stylée et je kiffe trop, et je pense vraiment que je vais le commander en mode un peu peut-être en XL ou une connerie du genre, faut que je demande à Nico quelle taille il a, et vraiment tu sais, pour que ça me fasse une robe avec genre des petites bottes montantes, vraiment donner un style, ou même avec des baskets et des chaussettes montantes, enfin bref, genre vraiment je...
Au pire, de toute façon, si je l'achète, vous verrez sûrement une photo sur Instagram apparaître d'ici quelques semaines. Au niveau détail, les gars, je vous conseille quand même de regarder le guide détail. Moi, c'est vrai que je suis toujours, enfin, juge toujours à l'œil pour savoir quand les vêtements me vont ou pas. Bon, là, c'est un site internet, donc c'est un peu plus compliqué. Après, il faut aussi savoir que Reyes, comme vous l'avez vu à Lyon, ils font quelques petites boutiques pop-up et je crois avoir entendu qu'ils risquent de bouger un peu plus dans plusieurs villes et tout. Donc, n'hésitez pas à surveiller leur Instagram parce que comme ça, si jamais ça passe dans une ville à côté de vous, vous pourrez y aller. Du coup, vous vous doutez bien que comme c'est les soldes demain et comme je suis très gentille et comme ils sont adorables parce que hier en live, genre vous m'avez dit « Mais est-ce qu'il y a un code promo et tout ?» Je leur ai demandé pile en live, j'ai envoyé un message, j'ai fait « Bon, écoute, il y a toute ma commu qui me demande un code promo, du coup... » Voici le code promo. Donc vous avez juste à taper Dejna dans la petite boutique et vous aurez un moins 20%. Et en plus de ça, les gars, il faut savoir que ce code promo, il est cumulable aux offres qui sont déjà sur le site. Pas avec un autre code promo, mais avec déjà les soldes. Du coup, c'est tout bénef parce qu'admettons, si t'as un article qui est à moins 50%, bah comme par magie, t'as moins 20% en plus. C'est pas génial. En vrai, du coup, les gars, j'ai tellement hâte de vous présenter tous les projets que je vais avoir avec cette marque-là. J'espère vraiment que vous, c'est une marque qui va vous plaire aussi. Et si vous la connaissez déjà, j'espère que c'est une marque qui vous plaît également. Il faut savoir aussi que si jamais vous avez un souci, par exemple, avec vos délais de livraison et tout ça, ils sont très réactifs sur Twitter ou sur leur petit service de SAV, enfin de service en ligne qui est disponible sur leur site. Voilà, ils sont très réactifs là-dessus. Du coup, n'hésitez pas à les contacter si jamais vous avez un petit souci. Bref les gars, je vous laisse du coup sur cette petite vidéo. Je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour d'autres vidéos. Et surtout si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu. Même si bon, je sais que c'est une vidéo un petit peu spéciale et que vous avez... Enfin, si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est surtout pour voir du gaming. Mais je pense que ça peut être cool aussi de varier un petit peu et de vous emmener un peu plus avec moi dans mon univers. Du coup voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Et du coup, je vous donne rendez-vous sur Twitch, Instagram, Twitter et évidemment sur YouTube. Je vous fais de gros bisous les gars. Bisous, je vous aime fort.